amis téléspectateurs, bienvenue dans ce temple dédié à la culture geek. Nous allons passer une heure ensemble pour ce magazine, plus ou moins geek, le seul qui revient sur 50 ans de culture geek en 52 minutes. Une petite date pour commencer, 1982, c'est l'année de parution du manga Akira au Japon. Ils sont mes petits japonais fous, ce sont mes chroniqueurs dingues. Je vous les présente, ce petit tour de table commence par RL qui est journaliste et blogueuse, monsieur Laurent Kessy, romancier à succès, monsieur Sébastien Rassia, comédien, réalisateur, auteur, qui partage une grande partie de sa vie avec monsieur Frédéric Molas, comédien également, vous le reconnaissez avec sa chemise, et on finit avec Rurik Salé, compositeur, comédien et surtout journaliste avec nous sur ce plateau. Et nous retrouvons également François en direct depuis notre télévision. François qu'on retrouvera plus tard pour un talent web et on attaque tout de suite avec un petit sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez la série télé Le Voyageur, le jeu vidéo Wing Commander, Dark Knight, le comic book et une interview carrière de Klaus Johnson qui a travaillé dessus. La suite des aventures de Yumi dans un concours de cosplay, le jeu de rôle Patient 13, Mao Shoujo Tai Arusu, une enquête sur la dernière salle d'arcade de Paris, les web-séries GN de merde et Phase et enfin l'incontournable Shopping List. En plateau, c'est à vous. Et je sens que je vais monopoliser l'antenne d'entrée de jeu. Rubrique série télé avec David. Je vais vous avouer pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à faire cette chronique, parce que cette série dont je vais vous parler, j'en ai un immense souvenir. Moi, en tant qu'enfant, quand j'ai regardé ça, je devais avoir 10 ou 11 ans, ça m'a traumatisé. Je me rappelle d'histoires incroyables et j'ai vraiment eu du mal à regarder les épisodes. Mais je vais vous montrer le générique, je pense que ça va vous parler. J'adore la musique. Le rebelle sans la moto. C'est clair. C'est le rebelle qui est tombé en panne et la moto est garée à son fitness. Donc c'est The Hitchhiker, c'est Le Voyageur en français. C'est une série qu'on a pu, qui a commencé sur HBO en 1983, qui va bifurquer après sur la chaîne USA. Ça dure jusque 1987. Je crois qu'il cligne des yeux. Ouais, à un moment. Non, c'est vrai, je déconne pas. C'est peut-être pas là. Alors ce comédien-là est présent sur les 5 premières saisons, mais sur la première saison, c'était un autre voyageur qu'ils avaient viré parce que soi-disant, il n'était pas très charismatique. Il n'avait pas ses papiers. Celui-là est engagé parce qu'il était charismatique, mais de sources sûres dont je vous parlerai un petit peu plus tard, il n'était pas très bon comédien non plus. Donc Le Voyageur, c'est une anthologie, donc c'est chaque épisode, on a ce voyageur qui voilà, fait son petit autostop, et à chaque fois qu'il passe dans un patelin, il va nous raconter une histoire un petit peu étrange, surnaturelle, un peu cul, parce que c'était la demande de HBO au départ. Ils ont dit, voilà, nous on voudrait un truc avec de l'horreur, et puis si de temps en temps on peut avoir un ou deux nichons qui passent, c'est pas mal. Ça n'a jamais changé. Ça a jamais changé. Game of Thrones, c'est pareil. Donc il y a plein d'histoires comme ça, très horrifiques. Moi j'ai regardé ça le samedi, je crois que c'était le samedi soir, je me glissais, j'allumais mon poste de télévision. C'était sur une chaîne qui était possédée par un Italien un petit peu tentaculaire. Hein. Ouais, voilà. C'était sur la 5 en France. Et il y a des histoires incroyables. Moi je me rappelle notamment, et je l'ai revu, et cet épisode a bien vieilli, qui s'appelle W. G.O.D. avec une sorte de pasteur qui fait une émission de radio alors qu'il est là « Alléluia mes frères, attention là !» Et c'est des gens qui l'appellent en disant « Oh, j'ai péché, Alléluia, je vais te pardonner » et jusqu'au jour où t'as quelqu'un qui l'appelle et qui dit « Je sais ce que tu as fait. Genre, souviens-toi l'été dernier. » C'est joué très très bien par Gary Buzet, dont je crois que tu apprécies le travail. Et j'apprécie plus le travail du père que celui du fils, Jake Busey, qui a repris vaguement le rôle de Rutger Hauer dans Hitcher 2 et qui... Il est méchant parce qu'il fait comme ça. Ouais. Arrête de faire ton malin un peu. Ouais. Le professeur Rurik a toujours quelque chose à dire. Eh ben oui. Donc voilà, il y a eu quand même 85 épisodes, ça fait 26 minutes, ça passe assez rapidement. C'est très très dur à trouver en France, il y a un coffret américain qui est, je crois, la seule source finalement qu'on peut avoir pour voir cette série. Pourquoi je disais que j'avais eu un coup de main sur cette série? C'est parce qu'en regardant les épisodes, d'un coup je vois le nom de Jean Chalopin. Jean Chalopin qu'on avait vu ici, puisque c'est le créateur des Mystérieuses Cités d'Or, et lui c'est 31. Donc je lui passe un petit coup de main, je lui dis « Jean, mais que fais-tu dans Le Voyageur ?» La première saison qu'a produit HBO, il n'y a que 3 épisodes qui ont coûté une blinde. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Alors là, il y avait des reconstitutions, il y avait du monde, des figurants dans tous les sens, et ça a été catastrophique financièrement. Donc ils ont appelé Jean Chalopin, qui est parti du Japon pour aller aux États-Unis. C'est le système D, en fait. Ah, mais complètement. Du coup, il a dit, on va plus tourner à Los Angeles, on va tourner à Vancouver, on va tout reprendre les scripts entre nous. Alors, c'est plus ou moins bien. C'est toujours le problème des anthologies, c'est que t'as des histoires qui sont super, t'en as d'autres qui sont pas terribles. On reconnaît d'ailleurs le côté canadien, les couleurs, le truc. On voit que c'est à Vancouver. Il y avait notamment à moi un épisode, j'ai même pas pu le revoir tellement je voulais pas me gâcher le truc, parce que forcément c'est les années 80, ça a pris un petit coup de vieux. Il y a les profs de tennis, ils ont des petits shorts comme ça au niveau de l'entrejambe, tu vois, ils sont tous serrés dans leur truc. C'est une petite fille qui se réveille dans une grande maison bourgeoise et qui à chaque fois qu'elle va dans une pièce se rend compte que les membres de sa famille ont été assassinés jusqu'au moment où elle va trouver le chauffeur de la maison. Et c'est pareil, un truc incroyable. Enfin, tout ce que j'adore. Enfin voilà, c'est Le Voyageur, The Hitchhiker. Il y a aussi toute une saison qui a été tournée à Paris.
puisque je crois que la 5 ou M6 était plus ou moins coproductrice, et même David Soul qui était poursuivi dans les couloirs de métro parisien, et c'était vachement moins bien cette période-là, quoi. Ouais, bah, c'est la partie où il y avait un petit peu moins de fric dans la série. Il faut dire que David Soul un peu, quoi. Alors je pense que le Gonzo de la honte... Alors voilà, je donne le Gonzo de la honte et ça me permet de lancer Yumi, c'est la deuxième partie de son Inside. Non, elle était... redonne ce Gonzo de la honte à monsieur Rurik Salé qui m'a coupé. Merci. Je disais donc qu'on va retrouver Yumi pour sa deuxième partie de l'Inside qu'elle a réalisée à Japan Expo Belgium où elle est dans les coulisses d'un grand concours de cosplay. On se retrouve juste après. Plongée au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. On est donc à la Japan Expo Belgium pour s'occuper un peu de cosplay. Et surtout les sélections belges pour l'European Cosplay Gathering qui va plus nous intéresser. Pour ceux qui auraient raté la première partie de l'Inside, Previously in the Inside, l'European Cosplay Gathering est un concours de cosplay européen. 3 à 4 représentants sont sélectionnés dans 11 pays européens. Vous avez commencé le cosplay depuis combien de temps ? Un an à peu près. Un an et demi. Un an et demi aussi. Parce que l'ambiance en convention, c'est toujours... c'est fun, franchement c'est super. Franchement, quand on va dans les conventions, il y a beaucoup de photographes qui viennent nous voir et qui nous demandent de prendre quelques poses spécifiques pour faire des photos. Donc ça, c'est les gens qui attendent pour pouvoir rentrer dans la salle pour enfin voir les sélections belges de l'European Cosplay Gathering avec mon accent anglais pourri. Là, on est à la scène principale, on attend que le concours commence. Pour nous faire patienter, voici les gagnants des précédentes éditions de l'ECG pour les intimes ou l'ECJ pour les anglophones. Si nous allions faire un petit tour au niveau des stands avant que le concours commence. Tu peux venir ici pour essayer un cosplay et après ça, nous ferons une photo professionnelle de vous comme souvenir. Et comme ça, nous font du promotion pour le cosplay. C'est cool celui d'Alice au Pays des Merveilles quand même. Donc à la Japan Expo, on peut aussi acheter des cosplays plutôt que de les faire soi-même. Bon, moi j'ai une préférence pour les cosplays faits main totalement, mais bon après, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, il y a des costumes à acheter. Eh bien, tu vas être servi, Yumi, car nous revoici aux sélections où tous les costumes ont été créés par les petites mains de nos chers concurrents. L'attention monte pour les candidats. Chacun donne le meilleur de soi-même pour épater le jury et la salle. Pour s'aider, le jury a en sa possession l'image du personnage dont le cosplayer est inspiré. Eh oui, le jury est comme nous. Il lui arrive de ne pas connaître certains personnages choisis par nos cosplayers. Ça me rassure parce que là, j'étais complètement perdu. Wow, mais c'est un truc de fou! Je ne pensais pas que le cosplay pouvait atteindre un niveau technique aussi complexe. Chapeau, l'artiste! Si nous faisions une petite pause, car moi, toute cette tension, ça me stresse. Et quoi de mieux pour déstresser qu'une petite explication du cosplay ? Donc, je suis avec Kuma. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cosplay, déjà de où il vient ? Oui, alors en fait, donc, c'est un cosplay tiré du jeu en ligne World of Warcraft. Donc, c'est vraiment que du fait main ? Exactement, alors c'est du tapis de sol quasiment exclusivement. Les seules choses qui ne sont pas en tapis de sol, ce sont les attaches parisiennes qui font les petits rivets et le manche de l'arme, il y a un petit peu de tissu et ça c'est un simple manche à balai en fait. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps pour le faire ? Approximativement 5 mois je dirais à peu près. Étant donné que je travaille en fait, tous les soirs en rentrant, je m'y mettais et voilà quoi. T'as un conseil à donner pour ceux qui veulent faire des armures aussi imposantes ? Bah oui, en fait, il faut pas avoir peur. Au début, j'avais vraiment peur d'essayer de me lancer. Et le tout, c'est de bien faire des patrons, des choses méthodiques. On essaye sur soi avant de se lancer directement dans le découpage de la mousse. En fait, c'est vraiment une question d'assemblage. En fait, il faut bien prendre son temps et il n'y a pas de souci, tout roule après. Voilà. Donc, c'est assez hallucinant quand même comme cosplay. Merci beaucoup. Bon, c'est bien sympa, Yumi, cet interlude. Mais nous, on veut voir les autres candidats de l'ECG. En plus des poses et costumes, les participants sont aussi jugés sur leur capacité à reproduire les scènes emblématiques de leurs personnages. Ils peuvent aussi être accompagnés, lors de leur passage, de musiques tirées de leur univers, comme c'est le cas pour cette concurrente. Oh, je crois que je recommence à croire aux princesses. Le
European Cosplay Gathering, c'est fini pour aujourd'hui. Nous découvrirons les gagnants pour représenter la Belgique dans le prochain Inside. Pour relâcher la pression, Yumi nous fait découvrir quelques spécificités de Japan Expo Belgium. Donc c'est des nekomimi, c'est des oreilles en fait qui s'agitent en fonction de l'activité cérébrale de la personne. Donc tu branches un capteur au niveau de ton oreille et après les oreilles qui bougent en fonction de tes humeurs. Donc par exemple quand ton cerveau se met actif parce que tu as vu quelque chose d'intéressant, ses oreilles elles se dressent. C'est trop mignon. Donc on peut prendre aussi un petit cours de langue japonaise à la Japan Expo. Donc là, Sumimasen, donc excusez-moi. Sayonara. Yumi, dont on retrouvera la fin des aventures lors de la prochaine émission, et tout de suite on enchaîne avec notre duo en plateau, Fred et Seb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Moi justement, je vais parler de Wing Commander. Wing Commander, c'était un mauvais film, mais c'était un très bon jeu. Alors il y a eu une époque, sur PC, sur PlayStation, sur Saturn, c'était une époque où encore les cinématiques en 3D étaient très moches, où c'était vraiment c'était vraiment la fin de la 2D, le début de la 3D, mais on faisait vraiment des trucs très laids. Et du coup, il y a eu une période qui a duré peut-être un an ou deux ans, avant vraiment qu'on rentre dans les cinématiques en 3D, où on faisait appel à des acteurs, justement, et il y a eu une période... C'était des tournages live, quoi. Du tournage live sur fond vert, et c'était des gros acteurs, c'était pas les pectos du coin, et justement, on va regarder la cinématique, et vous allez tout de suite reconnaître, j'espère. Jean Gabin. Oh, bah dis donc, c'est le mec de Retour vers le futur. Exactement. C'est le fils de... C'est Biff. Et c'est le fils de Gary Busey. Non, non, mais tu vois, non. Les acteurs qui viennent... Il était juste au tout début, là. Marc Hamill qui reprend... Bah, évidemment. Mais du coup, on voit le jeu. Ah non, mais je sais ça. Alors bon, ça, ce sont des images du jeu, parce que quand même, malgré ça, c'est pas que un jeu vidéo. Ouais. C'est quand même un jeu vidéo, effectivement. J'ai pas vu qui était le renom, mais j'ai eu l'impression de le connaître. Je sais pas, je me demande si c'est pas un mec connu. Effectivement, il y a aussi le mec qui faisait le professeur Arturo dans Sliders, là. Comment il s'appelle? John Rhys Davies. John Rhys Davies. Voilà. Exactement. C'est celle-là. C'est dans cette période qu'est sorti Wing Commander. Wing Commander 3 qui est sorti en 94, le 4 qui est sorti en 97. Donc ce sont des space opéras. Alors il est sorti en 97 sur PlayStation, mais il est sorti en 94 avant, il me semble. Sur PC, ouais, c'est ça, c'est une réédite. Et donc ce sont des space opéras, c'est-à-dire, le jeu en lui-même a mal vieilli, quand même, faut le dire. Quand on joue au jeu en lui-même, c'est vraiment... Les lasers, ça fait... C'est vraiment dégueulasse. Tu fais très bien le laser. C'est les vaisseaux, les missions... Bon, t'as des missions d'escorte, des missions où tu dois détruire... Tout se fait par zone, en fait. Genre, par exemple, tu arrives dans une zone, t'as ton vaisseau avec ton ailier, on te dit, bon, tu dois raser tous les ennemis qu'il y a sur la zone, puis après, tu passes à la zone suivante, machin. Mais tout ça, c'est animé, justement, et c'est là où c'est sympa, c'est que tout ça est entrecoupé de toutes ces petites scènes cinématiques qui sont vraiment géniales. C'est-à-dire, entre chaque zone, tu vas avoir une petite scène cinématique de vaisseau qui te dit « Oui, il faut aller là-bas, il faut faire ça, machin, tu fais ça, bravo, vous avez réussi la mission. » Et donc, tout ça, on joue en fait le rôle du colonel Blair, qui est donc le mec de Star Wars. Marc Hamill, putain, ouais, voilà. Qui lui a mal vieilli aussi, comme le jeu. Oui, mais il a l'excuse parce qu'il a fait la voix du Joker. Et ça, c'est la meilleure voix qui ait jamais existé. C'est animé. C'est piraté. Batman. En version française, c'est piraté. Nous, qui est aussi notre voix à nous, voilà, justement. Et donc, voilà. Bon, au niveau du scénario, ça se passe plusieurs années après Wing Commander 3, en fait. Il y a des troubles dans les mondes frontières. Et en fait, notre héros, le colonel Blair, va devoir faire un choix à un moment dans le jeu, savoir s'il va rester fidèle à la Confédération qui fait des actes un peu crades, ou s'il va complètement basculer, il va aller chez l'ennemi en reniant, du coup, en trahissant son serment de militaire, etc. On est d'accord que les cinématiques, il y en a plusieurs dans le jeu. En fait. Il y en a énormément, en fait, le jeu. Le seul intérêt du jeu, il est là, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Si tu enlèves les cinématiques, est-ce que le jeu tient? Ça, c'est le hochement de tête. Fred Moladien qui veut dire non. Ici, il y a le bouton. Je me suis beaucoup amusé sur ce jeu. D'accord. Je me suis vraiment énormément amusé. Si tu enlèves les cinématiques, tu perds gros pourcentage du jeu. 60% de la valeur du jeu, complètement. Parce que la mise en scène est super bien réalisée. Il y a vraiment tout un univers qui fait que voilà, c'est un grand space opéra en jeu vidéo. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur space opéra qui est jamais sorti avec Colony Wars. Colony Wars aussi était un très bon space opéra qui arrivait quelques années plus tard. Mais donc, je conseille à tout le monde d'y jouer parce que c'est super cool. Alors, toi qui aimes bien t'interroger sur la durée de vie, quelle est la durée de vie de ce jeu? La durée de vie de ce jeu, je me souviens qu'il y avait 5 CD au moins dedans. Ah oui, quand même. Donc, c'était vraiment les gros boîtiers PlayStation comme ça. Les CD, ça servait aussi à stocker les cinématiques. Ah oui, ça prenait de la place. Mais le jeu avait une bonne durée de vie. Je pense que ça dépassait allègrement les 30 heures quand même. Donc, c'était vraiment cool. Nous avons parlé de pirater, ben on va rester avec lui puisque c'est la voix française du
Joker, et ça tombe bien puisque l'interview carrière qui suit concerne l'univers de Batman. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. C'est un maître des comics que nous accueillons, mais un maître dans un secteur que vous ne connaissez peut-être pas ou mal, l'ancrage. Klaus Johnson a œuvré pour Marvel sur des séries telles que Les Défenseurs, Daredevil et surtout Dark Knight Returns chez DC Comics, qui lui vaudra une bonne engueulade avec Frank Miller, mais nous y reviendrons plus tard. En quoi consiste le métier d'ancreur, Klaus ? Eh bien, d'abord, tous les encreurs ont une croix à porter, parce que personne ne sait ce que l'on fait comme travail. Mais il n'y a pas de différence majeure entre le dessin et l'ancrage. Dans les deux cas, il s'agit de raconter une histoire, mais avec des outils différents. Un dessinateur se sert d'un crayon, et un encreur, d'encre, d'une plume et d'un pinceau pour raconter une histoire. Comment es-tu arrivé chez Marvel ? Tout petit déjà, je voulais devenir dessinateur. Et vers 21 ans, j'ai tenté de trouver du travail comme dessinateur, mais je n'étais pas assez bon. Alors je me suis dirigé vers une discipline dans laquelle j'étais bon. Et Marvel m'a embauché comme encreur. Ensuite, le destin a fait le reste. C'était très important pour moi de partir à New York, de quitter ma famille et d'avoir ma propre vie. Mais je ne voulais pas attendre de devenir meilleur comme dessinateur alors que Marvel ou DC pouvaient m'embaucher comme encreur. Depuis, j'ai appris à devenir un bon dessinateur. Et je crois un auteur pas mauvais, un bon coloriste et un professeur. J'ai toujours essayé de progresser, mais je me suis servi de l'ancrage pour me lancer dans le business. Tu es né en Allemagne. La légende veut que tu aies appris l'anglais en lisant les comics. Alors, mythe ou réalité ? Oui, la légende est vraie. Je suis arrivé aux États-Unis à 5 ans, entre la maternelle et le CP. Et j'ai découvert la BD cet été-là. Mes parents ont déménagé en juin et j'ai découvert les comics pendant cet été. Et j'ai appris à lire et à parler anglais en regardant les BD et en associant les images aux mots. Et je pense vraiment que c'est pour cela que les images et la façon dont elles peuvent transmettre les informations m'ont toujours fasciné. Alors c'est quoi ce clash avec Frank Miller ? Sur Dark Knight, notre dernier projet en commun, nous avons eu ce qu'on appelle en Amérique des différends créatifs. Mais c'était il y a 25 ans, nous étions bien plus jeunes. Et j'espère que nous sommes plus adultes maintenant. Mais à l'époque, il était impossible pour nous de travailler ensemble. Ce qui peut arriver dans le futur, on ne sait pas. Tout est possible. Quels sont tes futurs projets ? J'aime faire un peu de tout. Il y a toujours sur mon bureau un projet que je dessine, un autre que quelqu'un encre, un que j'encre moi-même et un que je dessine et que j'encre. En ce moment, je travaille sur une mini-série Daredevil que Bill Sienkiewicz encre. Je dessine et encre deux histoires de Spider-Man, le nouveau Captain America que dessine John Romita Jr. Donc voilà, j'aime faire un peu de tout. Je suis aussi sur un projet personnel appelé Sacred Creatures, que l'on va bientôt essayer de vendre. Et j'aimerais pouvoir en faire une BD et une série télé. Peux-tu réinventer notre Geekman ? Oh my God ! Oh mon Dieu ! Geekman devrait avoir les deux pieds au sol, pour commencer. Ça l'améliorerait beaucoup. Vous voyez, les deux pieds au sol.
On dirait qu'il est en train de danser une polka. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous cherchez. Chez les jeunes, on dit qu'il s'est fait casser. Geekman doit être héroïque. La caméra doit le prendre en contre-plongée. Héroïque, beau, puissant. Bon, alors, c'est juste un croquis, hein. Ne m'en veuillez pas. Que je signe. Et je signe aussi mes droits dessus, c'est ça? Vous savez, parfois, quand un dessin est raté, je signe Chris Claremont. Chris Johnson, donc tu m'as dit le plus grand bien. Un très bon encreur, ouais, il a bossé sur Punisher aussi, il dessinait Punisher. Là, il fait un peu de langue de bois, là. Je vais vous raconter dans ma chronique ce qui s'est passé. Et oui, car ça tombe bien parce que Laurent, juste après, va nous parler de quoi? De Batman Dark Knight. Rubrique BD et roman avec Laurent. Dark Knight, c'est Dark Knight Returns en anglais, le nom original. Mais tu sais que maintenant, mon anglais est quand même à la limite du pourri. Returns. Donc c'est une BD de Frank Miller qui est sortie en 1986. On va regarder quelques images tout de suite du dessin animé inspiré par l'OAV. C'est pas un truc japonais. Qui est génial. Voilà. Ça c'est une des images iconiques. C'est pas la couve d'ailleurs. C'est la couve d'un des tomes. La BD donc c'est une mini-série en 4 volumes. Pas mal le graphisme. C'est sorti quand ça? 86. Le film récemment, il y a deux ans. Le deuxième est sorti il y a quelques semaines. L'animation, par contre, elle est un peu sale. Parce qu'il y a quand même une certaine influence du dessin animé Batman des années 90, là. Je trouve que... Là-dedans, 92, je crois. Mais de toute façon, Frank Miller, quand il a sorti Dark Knight en 86, il a complètement réinventé Batman. Frank Miller, il avait commencé en faisant des petits boulots chez Marvel, sur des Spider-Man, et puis, peu à peu, il a commencé à travailler sur Daredevil. Daredevil qui lui a permis de sortir un peu du super-héros. Il en a fait juste un truc de polar. Lui, ce qu'il aimait, c'était... En fait, il en a fait juste un aveugle. Du coup, il en a fait une vraie bande dessinée policière. C'est ce qui a fait le gros succès de Daredevil. Et du coup, après, il a été débauché par DC pour travailler sur Batman. Et lui, il a proposé sa vision d'un Batman dans le futur qui a pris sa retraite, qui est vieillissant. Le pitch, en gros, c'est le retour de l'inspecteur Harry. C'est un petit peu inspiré de ça. D'accord. Donc Batman revient, Gotham est assailli par des hordes de mutants nazis, enfin on les voit là. Et les mutants nazis sont donc des méchants dans une BD de Frank Miller. Ouais, c'est pas vraiment très étonnant. Ça reste quand même quelque chose de très marqué à droite. Miller, quand il est arrivé du Wisconsin, ou je sais pas où il habitait, pour venir vivre à New York, en 3 ans, je crois qu'il s'est fait agresser 4 ou 5 fois à l'époque où New York, c'était chaque rue était un coupe-gorge. Du coup, il est un peu vénère lui aussi, et il fait de Batman un mec encore plus énervé. Dans l'histoire, en gros, Batman revient et il regrette un peu d'avoir arrêté pendant 10 ans et d'avoir laissé la pègre et les méchants s'emparer vraiment de la ville. Et donc, il revient, il est encore plus énervé qu'avant. C'est hyper bien construit, c'est un gaufrier en 16 cases qu'il déforme à loisir selon ce qu'il veut faire dans la bande. Non, c'est narrativement, c'est super bien. Il commence déjà à un peu imprégner la BD de ses idées un peu à droite. Ça va monter crescendo jusqu'au dernier Terror Sun, c'est ça, voilà, qui devait être Batman affronte Al-Qaïda. Et DC, quand ils ont vu le truc, ils ont dit non, c'est pas possible, donc c'est plus Batman. Je sais pas si on peut le dire à l'antenne, mais tu m'as sorti un dialogue tout à l'heure qui m'a fait mourir de rire tellement c'était odieux, voilà, c'est ouvertement raciste, Terror Sun, c'est vraiment, c'est à la limite de la parodie, on se dit c'est pas possible, mais... Visiblement, oui, c'est possible. Et tu nous disais que notre ami Klaus avait eu un peu de langue de bois. Oui, alors Klaus Johnson, c'est l'encreur de Dark Knight Returns. C'est lui qui a bossé sur les 4 numéros. Et à partir du 2, sur le 2, Miller et Johnson se sont un peu frités. Et Johnson, dans l'interview, il dit oui, bon, c'est du passé, tout ça. Il se trouve que, en fait, Johnson avait des assistants et Miller n'a pas trop apprécié que des assistants travaillent là-dessus, des assistants juste pour remplir les noirs, dont un certain Todd McFarlane. Alors ça, personne ne le sait, je suis content de le dire ici. Il est fier. Il est
fier. Regardez ce petit visage fier du chroniqueur qui est content de son truc. McFarlane a dit oui, j'ai fait des noirs, j'étais assistante de Klaus Janson sur Dark Knight Returns. Une dernière anecdote, parce que c'est mon Steven Seagal à moi. Il a vécu à Frank Miller. Oui, bah, il ne connaissait pas. Une dernière anecdote sur mon Steven Seagal à moi, qui est Harlan Ellison et qui apparaît au détour d'une case de Dark Knight Returns. Voilà, il est cité. Il est fort, ce Laurent, il est fort. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de Harlan Ellison, logiquement, dans le sujet qui vient, puisque nous avons enquêté sur la dernière salle d'arcade encore existante à Paris. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Elles ont presque complètement disparu. Je ne parle pas des girafes, des mamans pandas ou autres espèces en voie de disparition, mais bel et bien des salles d'arcade. Rappelez-vous, cette ambiance sonore à vous décoller les tympans. Tout votre argent de poche qui disparaissait dès que vous voyez inscrit les mots « Insert Coin ». Nous vous emmenons sur les traces de la toute dernière salle parisienne, la tête dans les nuages. Comment a-t-elle vu le jour ? La tête dans les nuages a quasiment 20 ans d'histoire. Elle a été créée initialement par des entrepreneurs qui ont eu envie d'importer le concept des salles d'arcade nippones en France durant la décennie. Aujourd'hui, elle s'affirme en tant que centre de loisirs et non plus salle d'arcade. Est-elle fréquentée par des ados ou des nostalgiques ? Nous avons un public très hétéroclite. On peut aller du jeune ado qui vient seul ou en groupe avec tous ses copains jusqu'aux grands-parents qui amènent leurs petits-enfants, en passant par le jeune cadre dynamique qui vient se défouler le temps d'une pause déjeuner. C'est à peu près la 10e fois que je viens à la tête dans les nuages et il y a beaucoup de sortes de jeux différents, ce qui fait qu'on s'ennuie pas quand on vient avec des amis pour fêter un anniversaire par exemple. C'est quand même vachement sympa. Quels sont les jeux qui cartonnent encore ? Pour la simulation, vous avez le Mini Rider 3D. Pour les jeux de force, vous avez le traditionnel Hammer, vous avez le coup de poing, vous avez le bras de fer qui est notre dernier jeu en acquisition. Pour les jeux de tir, vous avez House of the Dead, Opération Ghost, Let's Go Jungle, Dead Storm Pirate. Et puis vous avez toujours les traditionnels jeux de loisirs qui sont le jeu de palais, le mini bowling et le jeu de basket. Amis joueurs, quels sont vos jeux préférés ? Moi j'aime bien les jeux de réflexe. Moi je suis très jeu de bagnole. Moi j'aime bien les jeux de tir. Moi je joue vraiment déjà à tout et n'importe quoi, alors en jeu d'arcade, tant que je joue avec quelqu'un d'autre, ça me plaît. Quel a été le plus gros travail sur cette salle d'arcade ? Nous avons fait une rénovation intégrale du site principal de la marque, la tête dans les nuages. Donc le site a retrouvé une certaine jeunesse. Nous avons défini des zones qui permettent à chaque joueur de s'y retrouver. Nous avons une zone adrénaline pour tout ce qui est action, jeu de voiture, on pourrait dire action. Nous avons une zone tir et une zone rétro gaming pour maintenir cette offre rétro qui est, à mon sens, très importante à conserver au sein de notre établissement. Ce qui est pas mal non plus, c'est qu'il y a un peu de old school et puis il y a des choses un peu plus récentes aussi. Ça fait plaisir de rejouer aussi aux anciennes bornes arcade qu'on a pu connaître dans les années 90. Que venez-vous chercher ? Ah, ici, il y a une ambiance, quoi. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. Et même si, en fait, on n'est jamais vraiment tout seul online, voilà, c'est quand même pas pareil d'être entre chez soi et puis dans une salle. En plus, ça peut permettre de faire d'autres jeux qui ne sont pas forcément d'ailleurs des jeux arcade, les jeux des palais ou un petit billard. Ou voilà, l'aspect un peu dommage du truc, c'est que ça n'a pas vraiment suivi l'évolution. C'est vrai qu'on retrouve des vieux trucs bizarres qui débarquent de je ne sais pas quelle année, alors qu'on aurait bien aimé retrouver... Bah là, on a joué à Grid, mais c'est presque exceptionnel. Et puis, c'est dommage d'avoir pas aucun FPS quasiment nouveau. On reste sur du basique. Mais c'est voulu, les amis. Comment voyez-vous le marché évoluer ? L'évolution du marché des salles d'arcade va, à mon sens, rester segmentée. C'est-à-dire qu'on va avoir, d'un côté, les salles d'arcade pure gamer qui vont continuer à travailler avec leur cible, et plutôt sur le centre de loisirs, donc évoluer sur le centre de loisirs pur, en touchant un public très large, en fait. Pensez-vous que les salles d'arcade ont leur place sur le marché du jeu ? Moi, je pense qu'en tout cas, oui. Que ça soit aussi grand, je ne sais pas si c'est la peine. Maintenant, c'est un peu comme les cybercafés. Je pense que les cybercafés, il y en a eu beaucoup. Maintenant, il y en a moins. Ceux qui restent, c'est ceux qui sont les plus féroces, on va dire. Donc là, c'est pareil. Les salles d'arcade, il y en a quelques-unes. Il ne faut pas qu'il y en ait plus, parce que de toute façon, ça ne marchera pas
vraiment. En France, on peut pas dire qu'on a une culture du jeu vidéo non plus, malheureusement. Enfin, il y en a de plus en plus, mais c'est surtout, on va dire, du mainstream. Donc, alors que les jeux arcade, souvent, c'est quand même plutôt des gros joueurs. Moi, je pense que ça va pas durer, parce que l'accès aux jeux, on retrouve beaucoup plus de la Kinect, de la Wii, et ça s'apparente beaucoup plus à du jeu arcade à la maison, plutôt qu'en salle. Et puis, voilà, l'accès aux jeux vidéo a été facilité depuis quelques années sur les consoles, outre bon PC absolument pas, mais les consoles sont de plus en plus arcades. Peut-on retrouver la tête dans les nuages ailleurs qu'à Paris ? La tête dans les nuages n'est pas simplement présente à Paris aujourd'hui, elle est aussi intégrée chez des partenaires tels que des cinémas, des parcs d'attractions, des bowling. Donc nous sommes présents aujourd'hui géographiquement dans plusieurs sites en France. En tout cas, moi je dis oui, oui, oui et trois fois oui, les enfants. Ah, cette enquête est finie, mais vous n'aurez pas à remettre de sous dans la machine pour voir la suite de l'émission. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont joué justement en salle d'arcade ? Attention, la vraie, hein, pas la borne dans le supermarché, les amis. Hein. La salle d'arcade, c'était le seul moyen d'accéder à des jeux vidéo que jamais tu auras chez toi dans cette qualité-là. Quoi. Voilà, c'était formidable. Et nous avons un moyen de vous projeter dans du jeu de rôle et du jeu de plateau. C'est avec Stéphane. On se retrouve juste après. En plus, il y a un programme qui est vachement sympa. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la chronique jeu de rôle, jeu de plateau. Dans cette rubrique, nous allons plonger aujourd'hui aux limites de la folie avec un JDR qui est une véritable expérience. Œuvre d'Anthony Hinault-Combrexel, Patient 13 est un jeu à part qui fut publié par John Doe en mai 2007. Les joueurs y incarnent des patients qui s'éveillent amnésiques dans un hôpital, un asile où rien ne tourneront. Dès lors, entre tentative d'évasion, effort de survie, rencontre improbable et quête d'identité, une question devient omniprésente. Le personnage est-il fou ? Ou bien est-ce l'hôpital qui abrite réellement des phénomènes paranormaux et des médecins sadiques ? Un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains. La partie commence. Déjà, le joueur paraît complètement perdu. Il n'a pas créé de personnage. Il n'a pas de feuille de PJ devant lui. Juste une feuille blanche. Le maître de jeu profite clairement de son avantage. Il lui décrit crûment son réveil dans une chambre inconnue, la prise de médication sous haute surveillance, l'environnement absolument lugubre. Une fois sous médication, le personnage du joueur est sommé de tirer un ticket dans une boîte. Les infirmiers se font menaçants. Le maître de jeu lui demande de lancer les dés. 42, c'est le numéro qu'il vient de tirer et désormais c'est son nom. Il le portera pendant plusieurs aventures. C'est la première information que le joueur reçoit et peut noter sur sa feuille blanche. Il le fait avec un peu d'avidité. Les médecins partent. Quelques minutes plus tard, des hurlements résonnent à travers les murs de l'hôpital. Quelqu'un a tiré le numéro 13. Henri reprend du poil de la bête. Laissé seul dans la pièce, 42 prend les choses en main. Il commence à découvrir les lieux, son nouvel environnement, fouille l'armoire, regarde sous le lit, découvre un petit peu les choses. Le joueur, pendant ce temps, pose d'excellentes questions comme « Dans quelle langue je parle ? Est-ce que j'ai des signes particuliers ?» Puis, le maître de jeu fait une pause pour un moment extrêmement important, l'arrivée de 42, le personnage, face au miroir. Là, le personnage d'Henri se regarde, mais ne reconnaît pas le visage qu'il découvre face à lui. C'est un excellent début. 42 vient de découvrir le règlement de l'hôpital. Il est interdit de demander le nom du directeur. Les sanctions intègrent le lit à clous, la camisole, un truc qu'ils appellent l'abîme. C'en est trop. Le joueur annonce que son personnage, 42, pète un plomb, se met à gueuler, tape dans les murs. Le MJ n'est pas vicieux. Et c'est donc un gentil patient, aux allures de bon monsieur, qui s'approche le premier de 42 pour le calmer, et non une blouse blanche qui viendrait pour le corriger. Le monsieur va donner au PJ quelques conseils pour survivre en ces lieux. Il se présente, son nom est Passe-Passe. Une blouse blanche approche quand même. Elle annonce à 42 que vient l'heure de sa consultation. La descente aux enfers continue pour 42. Regardez la tête du joueur, d'Henri, quand le maître de jeu lui demande très sérieusement le nom de son personnage, ses souvenirs d'enfance, bref, des choses qu'il ignore. Henri a une réaction intéressante. Il bluffe, il donne un faux nom et de fausses informations. Et le médecin le reprend immédiatement. Le maître de jeu, lui, repose la question. Puis il passe à autre chose. Le maître de jeu montre un Rorschach à Henri et lui demande, une nouvelle fois très sérieusement, ce qu'il en pense et ce qu'il voit. Le joueur n'est qu'au début de ses surprises.
Gavé de médicaments, le personnage repart. Passe-passe l'attend dehors. Tandis que 42 avance dans les couloirs avec son nouveau copain, le maître de jeu décrit rapidement les lieux déjà visités par le joueur, mais en ajoutant quelques détails dérangeants qui n'étaient pas là jusqu'alors. D'ailleurs, des blattes et des cafards commencent à s'accumuler sur les murs. Pendant ce temps, Passe-Passe parle. À la loterie du matin, quand quelqu'un tire un numéro, ce numéro devient son nouveau nom. Quand quelqu'un tire le 13, il est emmené par les infirmiers et on ne le revoit jamais. Heureusement, Passe-Passe a un plan. Passe-Passe veut s'évader, et l'aide de 42 est la très bienvenue. Pour partir, l'équipe a besoin de plusieurs objets. Une corde, plusieurs lampes torches, un sécateur et un basilic vivant. Oui, oui, la créature mythologique. Dans quelques heures, sa quête finie et de nouveaux patients rencontrés, le personnage, notre joueur, découvrira effectivement un moyen de quitter l'asile, un moyen extrêmement peu ragoûtant. Patient 13 n'est vraiment pas un jeu à mettre entre toutes les mains. J'en profite pour répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est où s'est tournée cette rubrique, celle de Stéphane ? Où s'est tournée cette rubrique de Stéphane ? Vous voyez, c'est fou, on me la pose tout le temps. Et ben, c'est dans un vieux bâtiment moyenâgeux, je crois, 13e ou 14e siècle, qu'on a tout réaménagé pour l'occasion. Bon voilà, un truc avec du cachet. Et Gérard Depardieu, je crois, d'ailleurs. Ouais, on a tourné en Russie. Allez, ça, elle n'est pas russe, puisque ce qu'elle aime, c'est le Japon. C'est tout de suite CRL. Rubrique culture japonaise avec RL. Exceptionnellement, je vais vous parler d'une œuvre qui n'est pas disponible en France et c'est vraiment dommage. Ah, parce que tout ce que tu nous as fait cette année était dispo. Ah, d'accord. Mais je fais un effort, tu vois, pour que ce soit ouvert à tout le monde. Donc, elle a deux titres. Le titre original qui s'appelle Maho Shoujotai Alusu. Donc, c'est un peu Alusu la sorcière, quelque chose aussi là. Et en anglais, parce que par contre, c'est disponible quand même. J'ai fait un effort, quelque chose qu'on peut avoir en anglais, en import, Twin Witches. Donc, si on peut regarder peut-être quelques images pour se faire une idée. Je ne peux regarder que ce DVD. Oh, sympa la tête. Voilà, donc c'est du fantastique. C'est au départ un concept très bateau. C'est une fille qui se retrouve dans un monde parallèle fantastique. Bon, voilà, très classique. C'est réalisé par un studio dont j'avais vraiment, vraiment envie de parler. Oh là là. C'est les studios 4 degrés C. Plus de Loli. Ou 4C, les deux noms sont possibles. C'est Est-ce très que très beau. Le montage est rapide là, je me posais la question. Ils sont le montage. Parce que ça, tout à l'heure ça. Ouais fait ouais ça. Ouais. Ça, et encore le trailer parce que mon coup de cœur c'était ça, c'était le trailer. Il y a des plans mais c'est un truc de fou. C'est on suit la caméra qui se balade comme ça dans les allées à fond la caisse. Les portes éclatent. C'est Michael Bay. Pourquoi c'est les héroïnes, elles ont 6 ans encore de nouveau. Elles ont. C'est le Japon. Ans. Mais pourquoi c'est le Japon. Mais ça joue dans l'histoire en fait. Donc l'héroïne s'appelle Alusu. C'est bon l'ado un petit peu rebelle, l'adolescente rebelle machin. Qui est fan de magie de sorcellerie et pour elle ça sert à rendre les gens heureux et elle va se retrouver dans ce monde de sorcières et en fait elle va se faire emprisonner cache, elle arrive, elle fout un bordel monstre et les deux filles qu'elle va rencontrer elle va les foutre dans la panade jusqu'en haut et elles vont se retrouver maudites et elles vont avoir une malédiction de la croissance en fait, elles sont condamnées à être éternellement des petites filles de 12 ans. Ah, voilà. Là on voilà. Dit plus rien là, non, monsieur Molas, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'il ne verra jamais vieillir l'héroïne quoi. Ils ont toujours la voix aiguë et tout. Alors c'est une série pour info de 2004-2005, qui commence donc un peu à dater. 40 épisodes de 10 minutes, c'est un format très bizarre, mais c'est vraiment une création très très originale. Déjà c'est une création originale. Des studios 4 degrés. C'est une création très, très originale. Et c'est une création très, très originale, notamment par les plans, comme je disais. Il y a notamment un effet de plan décalé. Quand un personnage parle, souvent, c'est d'autres personnages qu'on voit qui font rien. C'est ou juste... Godard qui a réalisé. Ce que j'ai dit, en fait, c'est juste mal monté. Non, c'est vraiment fait exprès. Mais il y a plein de trucs dans ce style-là. Les designs sont vraiment originaux. Il y a de la 3D qui est très bien intégrée pour l'époque. Les couleurs sont superbes. La bande-son est géniale. C'est un voyage initial à contre-courant parce que l'héroïne en fait c'est l'inverse, c'est elle qui veut transformer le monde à son idée alors que d'habitude c'est le monde qui permet aux personnages d'évoluer et donc les studios 4C en fait c'est des studios qui sont très très populaires, on n'en a pas beaucoup parlé et pourtant ils ont une réputation de fou, tout le monde les veut, ils sont très chers, voilà, donc ils viennent de faire les films Berserk, ils ont fait aussi le film Memories de Otomo qui est le créateur de Akira. Ils ont travaillé aussi sur Animatrix, l'adaptation de Matrix en animé. Tous les segments ou ils en ont fait qu'un ? Non, ils ont travaillé sur un bloc de plusieurs épisodes. Et ils font aussi beaucoup d'assistance d'intervalle ou de choses comme ça dans l'animation. L'intervalle, c'est les dessins qu'il y a entre les deux dessins clés sur des séries comme Arjuna, mais aussi Steam Boy. Non, voilà, sinon, juste un petit dernier point. J'ai le droit. C'est un casting qui fait penser un petit peu aux trois sorcières, entre guillemets, de Terry Pratchett. On a
la rebelle un petit peu passionnée d'ésotérisme, qui est un petit peu la plus jeune des trois sorcières, qui est Magra. La plus jeune d'entre nous. La mémé sœur du temps, celle avec les cheveux courts, qui est plutôt la psychorigide, hyper carrée, sérieuse, etc. J'attends un peu d'impatience la troisième. Eva, c'est un peu le pendant de Nounou Hawk, c'est le personnage qui est plein de bonhomie, qui est toujours et c'est qui permet de faire le lien entre ces deux personnages complètement opposés. Et c'est aussi le cas dans les sorcières de Pratchett, ce personnage qui au début fait le lien entre les deux opposés qui s'affrontent en permanence. C'est les parcs, de toute façon, le truc des trois sorcières, c'est très mythologique. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Écoute, on va passer à des gens qui ont certainement beaucoup moins de moyens, et c'est François qui vous les présente, on se retrouve juste après. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Alors bon, forcément, je travaille beaucoup, et donc je bois beaucoup d'énergie drink. Et pour compenser, je bois des soporé drink. Et franchement, ça me permet d'être finalement normal, quoi. Les amis, ce n'est pas une web-série que nous allons vous présenter, mais deux. Mais avec la même équipe derrière. Mais ils sont deux. Vous suivez? Eh bien moi, j'ai abandonné. Focus sur deux web-séries qui montent. GN de merde, basé sur des jeux de rôle grandeur nature que vous a déjà présenté Stéphane précédemment dans Plus ou moins Geek. Et quel est le pitch de la deuxième, Phase? Alors, Phase, c'est le front anti-zombie. C'est une web-série sur comment survivre en milieu hostile. Et c'est la bande de Tekos de GN de merde. En fin de compte, on est parti du projet GN de merde. Et la bande de Tekos est partie sur un autre projet. Donc voilà, c'est la même équipe qui fait GN de merde et qui fait les phases. Mais je préfère que le réal des phases, Grégoire Cauchois, t'en parle en direct. Bonjour. Voilà, le réalisateur des phases. Eh bien, l'idée est venue après maint jeu de rôle et grandeur nature, et puis beaucoup d'imagination, et puis plein de copains. Et puis une passion certaine pour les zombies, bien sûr. Quel est le format de la série Phase? Alors non, on ne fait pas les choses comme les autres. On est à peu près un standard de 10 à 12 minutes parce que le Phase est plutôt basé sur l'émission Striptease. Alors il faut imaginer Striptease et le sketch de la guenée de cendrée des inconnus. C'est un petit peu ça, voilà, des casseurs de zombies joyeux. Tu n'y passes plus, tu penses plus à eux. Tu dois te concentrer sur la musique, te concentrer sur les paroles. Et GN de merde dans tout ça? Alors, GN de merde est né en 2008 avec toute la bande de gars qui est là aussi. Né et dérivé du jeu de rôle grandeur nature, parce que c'est notre passion. Après, on a tous dérivé avec des métiers liés à l'audiovisuel et du spectacle. C'est ce qui nous a permis de réunir nos deux passions. Et là, on sort en exclusivité l'épisode 1 de la saison 2 qu'on va présenter. Donc la saison 2 est terminée et prête à diffuser depuis 2 ans que les gens l'attendent. Voilà. Comment se passent les tournages? Alors le principe, c'est que c'est un projet collectif. Donc tout le monde peut venir participer. S'il est motivé, s'il a des idées à donner. Voilà, donc c'est tout le temps un grand casting, tout le temps, voilà. Je pense que c'est plus une question de passion. Effectivement, on a tous un travail, on a tous un mode de vie qui... C'est sur notre temps libre, hein. C'est le soir, c'est le week-end, c'est avec les motivés. Voilà. Par exemple, la saison 2 de GN de merde, c'est articulé sur un tournage de 10 jours. De 10 jours complets où il y avait toutes les personnes qui étaient là dans un château, le château de Puyferrin en Dordogne à Saint-Astier, où pendant 10 jours on était tous sur place et ça a gravité une centaine de personnes. Donc tout le monde a dû prendre des vacances, tout le monde a dû s'organiser et on était une équipe de techniciens qui était composée entre 10 à 20 personnes en fonction des jours et des scènes à tourner, quoi. Donc c'est du vrai boulot, c'est un vrai investissement et on n'a pas fait d'autres tournages depuis. Et c'est aussi la galère pour tourner les épisodes des phases parce qu'il faut réunir les gens et ça se passe sur notre temps bénévole. Donc c'est pas évident, c'est pas facile et non, on n'a pas que ça à faire. C'est la passion, c'est la passion, voilà. La passion. Que retrouvera-t-on dans tes prochaines saisons? Alors nous, elles vont amener la saison 2 et articuler sur un fil rouge et une trame du début jusqu'à la fin, contrairement à la saison pilote qui était des sketchs indépendants. Et on espère que ça va plaire, voilà, et ça va amener sur un groupe d'aventuriers qu'on va suivre du début jusqu'à la fin de leur GN. Voilà pour la saison 2 de GN de merde. Bah pour le phase, on va faire une évolution technique, hein, comme je disais tout à l'heure, on va passer en HD. Après, l'objectif, c'est de sortir un épisode beaucoup plus régulièrement. Voilà. Alors passer peut-être un tous les 2 mois, voire le top du top, ce serait un tous les mois. Voilà. Alors comment tu te trouves? T'aimes bien? T'es en vacances, hein? Ça va? Comment voyez-vous l'avenir des web-séries?
On a le projet de terminer le projet GN de merde sur un format film, enfin ce qu'on appellerait une saison 3, un format film. Mais pour l'instant, c'est dans les placards et on veut bien le faire avec, en essayant de le produire, en obtenant des fonds pour avoir plus de moyens et faire un truc qui a du crédit et du cachet, parce qu'on se retrouve limité malgré tout avec nos propres moyens. Un petit peu partir comme François, hein, le visiteur du futur, petit spécial dédicace. Et après, on a vraiment le projet d'essayer de partir ben justement sur autre chose. Et on en parlait hier soir, et pourquoi pas le steampunk. Voilà, ouais, le steampunk, c'est pas mal, c'est vrai que c'est un genre qui est très sympa. Non, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'expérience. Je pense que c'est l'expérience, c'est rencontrer des gens, c'est créer notre propre univers. Après avoir du succès, bon, effectivement, on a envie d'avoir du succès, mais c'est peut-être pas le truc principal. Toi, c'est comme ça. Ouais. Allez, je ne doute pas que lors des prochaines conventions où nous vous croiserons, votre stand sera 20 fois plus gros. Comme on le dit, GN de merde à vous. GN de merde. C'est tes copains. Mais oui, c'est Fufu, je suis dans le fan club de Fufu. Ah, Fufu. Fufu, c'est tout, regarde. Il a vite amené du muche. Non, non, mais c'est un petit projet qui est parti de trois fois rien, mais qui représente tellement toutes les... Du genre, bah, les gars qui se pointent avec leur mioche en GN, c'est hyper dangereux et tout, parce qu'ils n'ont pas trouvé de nounou. Alors, ça s'est su que j'étais allé. D'accord. J'avais cassé une côte à Fanta, moi, sur un GN, quoi, c'est génial. Voilà, ou alors les MJ qui perdent, les orgas qui perdent leur talkie, et les mecs qui sont en train de donner les réponses aux énigmes, et tous les autres, ils sont en train d'essayer de gruger. Attends, il a dit quoi? C'était quoi le mot de passe? Bah, c'est que des trucs comme ça qui reprennent, voilà, tous les trucs qui peuvent transformer ton. vous êtes des joyeux. En parlant de joyeux drilles, tout de suite, Franck pour la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Ouais, yo, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list. Est-ce que vous êtes tous chauds ce soir? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes tous chauds ce soir? Ok, ben c'est parti, on balance. The Cave est un jeu de plateforme coloré qui nous transportera dans une caverne gigantesque qu'il va falloir traverser sans encombre. Le joueur constitue une équipe de 3 personnages parmi 7 disponibles. Ensemble, ils doivent explorer une caverne renfermant l'objet de leur désir, mais ils seront bien surpris par le destin qui les attend. Oh. Les chroniques d'un maladroit sentimental, c'est chez Vendouest. C'est l'histoire de Gérard, un homme qui n'a pas beaucoup de chance avec les femmes, jusqu'au jour où il va rencontrer Florence, la belle Florence. Enfin bref, Gérard n'hésite pas à s'adresser directement à nous ou interagit avec d'autres personnages qui peuplent son imaginaire et qui ne l'aident pas souvent à prendre les meilleures décisions. Stardust Crusader chez Tonkam, l'histoire de Rotaro, un jeune voyou qui dispose d'un immense pouvoir enfui en lui, et son grand-père lui explique qu'il s'agit d'une sorte de matérialisation de son esprit. Grâce à cette force intérieure, il va devoir se confronter à un terrible vampire qui s'était opposé à ses ancêtres. Tiens, moi je me demande à quoi ressemble ma force intérieure. La saga d'Atlas et Axis, c'est à retrouver chez Ankama Édition. L'histoire se situe dans un monde où tous les animaux parlent et marchent sur deux pattes, c'est assez dingue. Atlas et Axis sont deux chiens, le premier est intelligent, le second est plutôt instinctif. Le jour où leur village est ravagé, ils prennent leur courage à deux pattes et partent braver le Grand Nord pour venger les leurs. Ça, c'est des bons chiens. Le protocole Pélican chez Dargo, ce sont 15 personnes de nationalité, de catégories sociales, d'âge et de sexe différents qui disparaissent en même temps de la surface de la Terre. On ne sait pas pourquoi. Elles sont parquées dans un endroit clos. Et on ne sait pas pourquoi, elles le sont. Et on ne sait encore moins ce qui se passe. Donc c'est à vous de le découvrir en fait. Cyber, c'est une BD à retrouver chez Soleil. Nous allons suivre Terrence, un militaire bardé d'implants sous-dermiques et intracrâniens, et il agit seul sur le terrain pour des missions comme par exemple la libération d'otages, des opérations antiterroristes et plein d'autres choses. Et là, l'histoire nous raconte la lutte contre un groupe d'éco-terroristes. Bah, croyez-moi, les éco-terroristes, ça jette pas des graines de tournesol. Indicible chez Soleil, une BD qui mélange thriller, horreur lovecraftienne et un récit d'invasion catastrophe. Des entités surnaturelles invisibles exigent de voir le seul humain qui peuvent les voir. C'est un adolescent orphelin nommé Kyle qui a fugué en espérant retrouver ses parents avant la fin du monde. Allez, je vais faire une petite folie et je vous présente un CD à acheter. Je sais pas vraiment ce que c'est la musique geek, mais en tout cas, je sais que Moderat est un groupe électro qui me transporte dans l'espace. Non, mais c'est vrai que c'est énorme. Leur musique est à la fois douce et violente, il y a un peu de mélancolie, mais d'espoir à la fois. J'écoute en boucle et j'ai envie de dire que j'aime en boucle aussi. Un petit conseil de Pauline, la monteuse de l'émission, qui joue beaucoup aux jeux de plateau et qui vous recommande Small World. C'est une sorte de risque évolué où vous devez conquérir les territoires adverses grâce à votre armée d'orques, de nains, de mages ou encore tout plein d'autres clans. C'est super.
Gepure, c'est un jeu de société à deux joueurs pour les personnes âgées de 10 à 120 ans. Vous êtes l'un des deux marchands les plus puissants de Gepure et vous devez vous mesurer à votre concurrent en achetant, troquant et vendant à meilleur prix tout en surveillant vos chameaux. Parce qu'ils peuvent se barrer, hein. La personne qui aura le plus de points est invitée dans la cour du Maharaja. Mais tu te trompes, mais c'est classe. Kagami no Kuni no Arizugawa. C'est un super grand nom, hein. Et ça parle d'un jeune lycéen qui va se retrouver enfermé dans un miroir d'une fille qu'il a essayé de sauver d'un accident de voiture. Bon, moi je peux pas aller dans les miroirs, mais je peux aller dans ma petite télé. Je vais vous faire une petite démonstration. Allez, c'est parti. Et voilà, je suis dans la télé. C'est énorme ici. Par contre, j'ai pas comment en sortir. C'est un petit peu idiot. Comment je vais faire, moi? Et voilà, la shopping list, c'est over. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Et nous, on va retrouver l'équipe de plus ou moins geek. Tout de suite maintenant, là, tout de suite, là, maintenant. Bonne soirée. Les amis, c'est la fin. Oh. Mais avant la fin, il y a l'avant-fin. Ce qui précède, c'est le moment du vote. C'est pas mal. Eh ben oui, je sais. J'ai essayé de faire l'ensemble le plus long du monde. C'est étirer un truc très très long pendant très très longtemps. Tu progresses à chaque émission, c'est vraiment... Ouais, je sais, je sais. Non mais... Je ne sais pas parler. Laissez-moi partir. RL. Bah moi, il m'a payé, alors je vais voter pour Fufu. C'est pas joli. Laurent. Le voyageur. Batman. Ouais, moi aussi, Batman. Le deuxième mauvais est génial, il faut le voir. Rick. Alors les idées politiques de Batman sont fascinantes, oui. je me reconnaître, mais le voyageur extraordinaire quoi. Voilà, et ben moi je vais m'auto-voter pour moi. Voilà, parce que je kiffe le voyageur, regardez cette série, j'ai envie de finir, je peux finir tout seul en monopolisant l'attention. Allez, plus sérieusement, on se retrouve très bientôt, n'oubliez pas que vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que... Geekbook. Geekter. Deux petites phrases de fin, vous avez l'habitude, c'est un bon geek, c'est un geek curieux, et il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek. On se retrouve très bientôt. Salut ! Bonjour, Sissi.